Bonjour les amis, Marc Mayou encore avec vous pour continuer nos méditations sur le livre magnifique et poétique de Job. Alors la dernière fois, nous avions introduit le sujet du problème du mal ou la souffrance injuste, si vous voulez, en regardant dans les coulisses du théâtre céleste où pour la seule fois dans toute la Bible, Dieu nous montre un peu ce qui se passait dans le conseil de Dieu avec les anges et même Satan qui s'y promène. Alors, exprimant sa satisfaction avec Job, Dieu lui a dit à Satan, et je le cite, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. » Et dans la suite, fin de citation, hein, dans la suite, au verset 9 à 22, nous voyons comment Satan a lancé un défi au Tout-Puissant en insistant que la fidélité de son grand serviteur Job n'est pas désintéressée, mais dépend des bénédictions matérielles que Dieu a largement répandues sur lui. D'ailleurs, je vais lire juste les versets 9 à 11. L'accusateur, donc Satan, lui répondit à Dieu, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Fin de citation, hein? Et ensuite, Dieu qui est toujours maître de l'affaire, hein, comme on dit, car c'est lui qui permet et limite les actions de Satan, accepte de mettre Job à l'épreuve en permettant à Satan de lui enlever tous ses biens et même ses enfants. Alors Satan pense que Job maudira Dieu. Alors une série de malheurs arrive à Job. D'ailleurs, je vais lire juste le verset 13 à 15. Un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger, à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Et c'est ainsi qu'un messager vint trouver Job et lui annoncer « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses passaient à leur côté quand les Sabéens se sont jetés sur eux et se sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs, je suis seul qui ai pu échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Alors, c'est une série de malheurs qui commence et qui dure jusqu'au verset 20. Mais la foi de Job dans la bonté et la providence de Dieu tient bon. Et nous lisons au verset 20 à 22. « Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta par terre pour se prosterner. Il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Magnifique, hein? Il persiste dans sa foi. Alors, après la première période, si vous voulez, c'est Dieu 1 et Satan 0. Mais l'histoire n'est pas finie, hein? On verra la prochaine fois. Cependant, qu'en est-il pour nous? Alors, sommes-nous prêts à louer Dieu même si nous perdons tout ce que nous avons sous la terre? Alors, c'est facile de parler dans l'abstrait, hein, mais je connais l'histoire d'un homme que j'ai rencontré récemment à Miami, hein, qui était autrefois très riche matériellement, mais ensuite il est devenu très pauvre lorsque le gouvernement socialiste de Venezuela lui a fait perdre toute sa fortune. Et alors, à vrai dire, il y a pas mal de cas semblables ici dans le sud de la Floride où j'habite. Certaines sont devenues des chauffeurs de taxi, d'Uber, hein, et qui vivent dans des conditions très modestes alors qu'ils étaient très riches autrefois. Alors, celui à qui je pense particulièrement, il m'a parlé avec une grande sérénité pourtant, et dans le taxi dont il était le chauffeur et moi le passager. Il disait même que la perte de sa fortune a servi à son bien-être spirituel, car au lieu de compter sur ses richesses, il apprenait désormais à compter exclusivement sur Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants, comme dit la Bible entière. Hein. C'est d'ailleurs un thème courant dans l'Écriture sainte, car le psalmiste David écrit déjà il y a 3000 ans, « J'étais un enfant et me voilà vieux. » Et jamais je n'ai vu celui qui est juste abandonné, ni ses descendants mendiant leur pain. C'est le psaume 37. Hein? Et comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur Jésus lui-même nous dit, et je le cite, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu,
Et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses nécessaires comme la nourriture, etc., nous seront données par surcroît. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Mes amis, dans la vie, Dieu ne nous permet ni pauvreté ni richesse. Ne soyez pas donc dupés par le soi-disant évangile de prospérité qui se répand beaucoup en Afrique par le biais des faux prédicateurs, souvent les Américains, hélas. C'est un mensonge diabolique que de promettre les richesses terrestres aux chrétiens. Nous devons être plutôt focalisés sur notre destin éternel, à savoir le ciel. Or, les richesses ont la tendance fâcheuse à nous détourner de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit que l'amour des richesses est une racine de toutes sortes de maux. Alors, si vous êtes riche matériellement, alléluia, Dieu vous dit d'être généreux avec vos richesses. Mais si vous êtes pauvre, alors il faut faire ce qu'il faut pour, éthiquement, pour améliorer votre situation et pour pouvoir aux besoins des vôtres. Dans les deux cas, nous devons plutôt imiter l'exemple de Job qui continue à louer le Seigneur, même dans la nouvelle misère qui était la sienne, car le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.